Notre introduction qui commence par la fin. Donc on est sur la fin du salon. Une fois production. Voilà. Avec le sujet du... Bon, voilà. Ça va les amis, bah ouais, bon, c'est la fin évidemment. Tu veux nous en parler? Bah c'est passé vite, c'est la fin, franchement je me suis éclaté. J'ai fait beaucoup de premières éditions et c'était pas aussi bien. Franchement, donc il y en aura une deuxième, c'est sûr. Moi je serai là, je pense que vous serez là aussi. On sera là aussi. Ouais, franchement, on a beaucoup joué dans nos Zedas, il y a eu des cosplays, des jeux, des tournois. Franchement, on s'est bien amusé. On s'est éclaté. Franchement, merci d'être venu surtout. Bah, plaisir, moi c'est toujours un plaisir. J'étais jamais venu au Muro, donc voilà. On est là et puis on sera là la prochaine fois évidemment. Bah voilà. Alors. Alors. Non. Parce qu'il faut savoir que c'est la deuxième. Oui, parce que notre caméraman n'a pas enregistré. Voilà. On embrasse, hein, on dit pas qui c'est. Et comment il a été en cosplay pour... Alors, il est en vert et c'est à cause de lui si on fait une seconde. Et donc, avec les vidéos qui arrivent, vous allez voir de qui on parle. Voilà. Et c'est de sa faute. Il lance des flèches. Voilà. Bon, vous avez raison. En tout cas, il a été cool parce qu'il a aimé faire la deuxième. Oui, il a fait la deuxième, merci. Il y a un troisième, il n'enregistre toujours pas. Si, c'est bon là, c'est bon. Merci. Écoutez, la ville des Miro, c'est une ville jeune déjà, hein, puisque bon, on a 40% de jeunes de moins de 25 ans, donc une ville jeune. Les Miro, c'est une ville sportive. On a été plusieurs fois nommés en tant que ville extrêmement sportive. C'est une ville qui est assez novatrice sur le numérique. Hein. On a été les pionniers sur l'équipement des écoles. Sur le numérique. Bon, voilà, ces trois éléments font qu'effectivement, eh bien, le e-sport a sa place tout naturellement sur la ville. Et on sait que c'est pratiqué sur la ville, bien évidemment. Et donc, on avait tout intérêt quand même à fédérer tout ce public et tous ces acteurs autour d'un événement. Et bon, voilà, l'événement est créé. Je pense que dans la logique, on a eu une première expérience quand même cet hiver, hein, où ça a bien marché. Hein. Il y a eu des compétitions et une finale sur 4 jours, donc c'était intéressant. On a vu 300 personnes à peu près, hein, qui sont passées. Donc on sent quand même qu'il y a un engouement là-dessus. Et donc, il est tout à fait logique que nous, en tant que municipalité, bien, écoutez, on prenne le relais et... on monte un plan de développement sur le e-sport. Et par ailleurs, donc effectivement, il y a l'association Sharing Games et les Mixtes qui a été créée et qui va accompagner, hein, la ville sur le développement de cette activité et surtout de la structurer. Voilà. Je sais que Sharing Games et les Mixtes a pour ambition de faire deux rendez-vous par mois autour du e-sport, donc côté de Microfolie sur la médiathèque. Voilà, donc c'est parti. Cette association est porteuse de la compétition qu'il va y avoir demain. Hein, donc c'est une finale Île-de-France, hein, c'est ça. Donc c'est important quand même. C'est l'association qui en est porteur. Nous, Ville des Muro, on est porteur de ce salon, bien évidemment. Mais voilà, donc je crois que tout est là. Et sachant que... Il ne faut pas exclure d'autres champs de développement. Bon, la ville des Muro, c'est une ville jeune, certes, mais il y a beaucoup de seniors également. Et je pense qu'à travers des activités, moi, j'ai jamais pratiqué le e-sport, mais j'avoue que c'est tentant. Et donc, je pense qu'on peut faire de l'intergénérationnel à travers cette activité. Voilà. Donc, merci à tous et merci aux organisateurs et aux participants de votre présence. Oh,
Merci Bernard pour ces mots. Jean-Philippe, je te passe le micro si tu peux nous dire quelques mots aussi, puisque c'est toi qui as quand même porté aussi ce projet avec l'ensemble de tes services à la mairie. Bonjour à tous. Bernard déjà a précisé pas mal de choses. Ce qui a été intéressant, c'est la première expérience sur les fêtes de fin d'année, notamment fin décembre, avec ces tournois FIFA 2019 sur 3 jours et cette finale, on va dire, locale, ce qui a permis notamment à Mustapha de se qualifier pour la finale, le tournoi de demain, la finale régionale de demain. Et il me semble que du coup, c'est le vainqueur de demain sera qualifié pour la Coupe de France FIFA 2019, voilà, pour les finales nationales. Donc on espère tous que Mustapha, notre représentant de la ville, ira très très loin dans ce tournoi et pourra, je l'espère, se qualifier pour la finale. Je vous souhaite tous de passer surtout un bon moment, découvrir l'ensemble des stands, passer voir l'association Sharing Game, ils sont tout nouveaux dans le paysage associatif de la ville des Mureaux. Ils sont motivés, ils vous pourront vous conseiller sur la manière dont l'association va se développer, va vous proposer des rendez-vous tout au long de l'année 2019 et 2020. Voilà. Bonne journée à vous et bon week-end. Merci Jean-Philippe. Et puis je te rassure, je connais un petit peu Mustapha pour l'avoir joué, c'est le très très haut niveau. Et puis enfin une dernière personne, Monsieur Franck Fontaine, le président de la Fédération Française de Jeux Vidéo, qui porte ses Coupes de France de football virtuel, pour lequel Mustapha s'est qualifié et tentera d'aller jusqu'au bout demain. Franck, si tu peux nous dire quelques petits mots sur ce que tu es en train de préparer et ce que tu fais par exemple au Mureau, merci. Bonjour à tous, merci Jean. Déjà, je voulais remercier la commune des Mureaux pour l'avant-gardisme de s'être ouvert à l'e-sport. On est très sollicité par de nombreuses communes, mais au-delà d'avoir souhaité de l'e-sport, les élus et les services municipaux, dès le mois de décembre, sur les qualifications qu'on a pu faire au Mureaux, se sont mobilisés. Et ça a été une réussite en décembre, donc je pense et j'espère que ce week-end sera aussi une réussite. Ce qui nous a permis à la FFJV de répondre à la sollicitation de Sharing Game et de la ville des Mureaux pour sélectionner votre commune pour faire la finale régionale de notre Coupe de France. J'espère aussi comme vous que Mustapha sera votre représentant au niveau de la commune mais aussi au niveau de la région. La finale ce sera au mois de juin, le dernier week-end de juin à Paris, où il y aura tous les représentants de toutes les régions de France et ultramarins compris, on a La Réunion et Mayotte qui viennent aussi à cette finale, donc il y aura du très gros niveau. Je pense qu'ici il y aura aussi un très gros niveau, parce que je sais que le champion de l'Essonne qui joue à FIFA depuis très très longtemps vient gagner le titre, donc je pense qu'il y aura du spectacle. Donc demain, il faut à tout prix venir voir ce qui va se passer sur la scène pour la finale, venir soutenir Mustapha parce que je pense qu'il va y avoir une certaine pression. Demain, on signe aussi, on a choisi la ville des Mureaux parce que je sais que vous êtes des grands acteurs dans le sport et la FFJV signe un partenariat pour l'avenir de l'e-sport qui est essentiel puisque nous signons une convention avec la Fédération Française de Rugby Touch. C'est la première convention qui va lier sport traditionnel et e-sport. Et en fait, le président de la fédération sera là demain pour signer cette convention et expliquer ce pourquoi on le fait. Mais c'est surtout l'intégralité de leurs clubs de sport qui vont s'ouvrir à l'e-sport en créant une section e-sport. Donc voilà, donc demain reste pour nous un grand rendez-vous ici au Mureau. Voilà. Donc encore merci à E2G pour cette organisation. Merci à la ville des Mureaux et aux services municipaux. Merci à nos stars, à Genius, Will Tupac, c'est pas toi, Alex Black, c'est pas toi. Parce que vous avez la chance au Mureau, c'est d'avoir aussi, on fait souvent, moi quasiment tous les week-ends je suis sur un événement de jeux vidéo, normal, vous me direz, mais d'avoir trois grands noms du jeu vidéo sur une même date, c'est assez rare, donc merci à vous d'être venus au Mureau, et j'espère que les Mureaux dans 2, 3, 4 ans sera une ville en France incontournable dans l'e-sport et le jeu vidéo. Merci. Jeu rétro. Ça va? Ça va, tranquillou.
Ça doit être une console chinoise, je connais pas. Hein? Ça doit être une console chinoise, je ne connais pas. Mais c'est marrant. Ça va être compliqué parce que je peux rien faire d'autre. Monsieur l'expert, ouais. Vous pouvez nous parler de ça. On a déjà testé. Vitaver, c'est juste de la folie. Justement, j'étais en train de chercher les modes des joueurs de la communauté YouTube. Beat Saber. Va-je trouver. Ah, Sacha est toujours demandé nous à l'accueil. Nous avons demandé Sacha du Bourg-Palette. Ah, parce qu'il y a une cosplayeuse qui est en dresseuse de Pokémon là-bas. Voilà. Sur la colline. Ah. Alors là, il faut regarder, c'est le jeu tel quel. Les joueurs quand ils s'amusent. Les joueurs quand ils s'amusent avec les modes. Donc on rajoute le personnage, les sabres, et bam. Et là par contre c'est du niveau hardcore. Opalescence, donc je suis cosplayeuse depuis maintenant 7 ans. Je participe à de nombreux concours et je crée mes costumes moi-même. Je fais un petit peu de scène, un petit peu de partie d'Anna. Tout d'abord, dans un premier temps, on va tous se présenter et vous parler un petit peu de ce qu'on a fait, notre parcours dans le cosplay. Ensuite, on vous parlera de cosplay, qu'est-ce que c'est, dans les grandes lignes. Donc, je vous laisse vous présenter, Lucky. Alors, bonjour à tous, moi je suis Liliane Lebon, je fais du cosplay depuis bientôt 10 ans maintenant et je fais majoritairement des princesses Disney comme vous pouvez ne pas constater aujourd'hui. Non, aujourd'hui je suis en cosplay de C18 de Dragon Ball parce que c'est un personnage que j'affectionne beaucoup depuis ma tendre enfance. Et voilà, donc j'ai une centaine de costumes à mon actif que je fais majoritairement à la main ou alors parfois ça va être comme aujourd'hui de la récup et des détournements. Et pas d'autre. Je poste beaucoup sur les réseaux sociaux, Instagram majoritairement, et ça m'a permis d'être de marcher par plusieurs conventions à travers le monde et à travers toute la France. Donc je fais régulièrement des voyages avec mon amoureux, notamment oui, en Asie, on a fait pas mal, on a fait l'Inde, on a fait la Chine, on a fait Gibraltar, l'Angleterre, l'Espagne. Voilà. Donc voilà, je suis une cosplayeuse qui voyage. Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Anne Jones, je fais du cosplay depuis bientôt 10 ans et je fais principalement le personnage de Captain America, mais aussi des personnages comme Indiana Jones, Flynn Rider, Gaston, la Belle et la Bête, Lumière. Et ce que je préfère dans le cosplay, c'est principalement tout ce qui est l'art de la scène, c'est-à-dire tout ce qui est prestation. Interpréter son personnage et représenter une scène directement sur une scène de convention. Voilà, puis effectivement, comme disait Lily, on voyage pas mal pour parler de ce qu'on fait, ou du cosplay en règle générale. Alors voilà, donc on vous parle de cosplay, mais qu'est-ce que c'est que le cosplay? Donc le cosplay, c'est la contraction de costume playing, donc c'est le fait de porter un costume ou le faire soi-même et interpréter le personnage dont on porte le costume, donc c'est-à-dire qu'on va venir soit acheter comme le Captain America, comme tu disais, soit créer comme la C18, C17, 18, comment ? 8, oh là là, je vais me faire frapper par tout ce stylo-là. Soit comme la C18 de Lily, donc on va venir faire nos costumes et ensuite on va venir incarner ce personnage, donc sur scène ou dans les salons, on va venir faire vivre des personnages qui nous tiennent à cœur. Le cosplay c'est américain, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On pourrait croire que c'est japonais du tout. Donc c'est tout un travail d'artisanat, tout ça, intégrer leur passion à leur métier. Lily, toi tu es maquilleuse, donc pareil, tu utilises tes capacités, enfin, je te laisse nous en parler un petit peu. Oui, j'ai fait 3 ans d'études de maquillage et du coup c'est vrai que c'est très pratique pour le cosplay d'apprendre les diverses techniques, notamment le contouring, comment changer la forme de son visage grâce aux ombres et aux lumières pour faire des personnages différents. C'est assez pratique, on sait que je n'utilise pas du tout les mêmes techniques pour un personnage comme C18 que pour une princesse Disney. Et pareil pour Anne Jones, je ne vais pas du tout maquiller de la même façon pour Captain America que je vais le maquiller pour Lumière, où je vais rajouter une masse de blush, je vais faire un gros contouring en mode comédie musicale. Et alors qu'en Captain, il faut que ce soit le plus discret possible pour que les gens ne voient pas que je vais maquiller. Mais c'est des techniques. Et du coup, toi, Anne, tu as parlé que tu as fait le cours Florent. Est-ce que c'est venu avant, après le cosplay? Est-ce que ça t'a aidé?
comment ça s'est passé, ce que t'en as fait ton métier. Justement, c'est assez intéressant parce que c'est le cosplay qui m'a amené à faire les cours Florent. Ce qui fait que en fait, j'ai rencontré beaucoup de monde dans les conventions, on a beaucoup échangé, discuté, parce qu'en fait c'est un milieu très particulier où je me sentais à l'aise, dans le sens où je pouvais parler de certaines choses comme le cinéma et autres, où t'avais l'habitude de parler dans les cours de récréation, parce que c'était beaucoup plus tuning, les copines, etc. Et c'est là que j'ai rencontré pas mal de comédiens de doublage qui m'ont fait rentrer justement dans les studios de doublage, et justement j'ai appris entre guillemets ce métier-là. Et comme je savais que j'avais certaines lacunes, je me suis dit il faut que je fasse une formation. Donc ma mère m'a conseillé les cours Florent et j'ai fait ma première année juste théâtrale. Et après j'ai continué, je me suis dit bah tiens, je voudrais encore aller encore plus loin, parce que j'étais très bloqué au niveau de mes épaules et autres. Et ce que mon médecin me disait, il me disait il faut que tu danses. Ma mère m'a dit vous êtes sûr ? Parce qu'il danse mal. Mais je l'ai fait quand même et j'ai appris à chanter. D'ailleurs, anecdote marrante, c'est que quand j'ai dit à ma mère, parce que c'est une audition que tu passes pour entrer en comédie musicale, et que je lui ai annoncé que j'étais pris, ma mère au téléphone me dit mais ils t'ont pris sur quels critères ? C'était le choc. Parce que tu chantes mal et tu danses mal. Merci maman. Et maman, toi aussi, t'as une maman aussi qui t'encourage dans la vie ? Ah bah, c'est bien, garde-la. En parlant d'un support, un pied dans les métiers de l'artisanat, que ce soit comédien, maquilleuse, 3D qui va là-bas, ou alors prothésiste, costumier. Je sais que demain on a une participante au concours qui est costumière à l'Opéra de Paris, donc comme quoi le cosplay peut vraiment amener à faire des rencontres professionnelles qui vont débloquer soit des vocations, soit des métiers. On parlait de contacts tout à l'heure qui sont très importants dans le milieu du cosplay. Donc il ne faut pas en avoir peur. Au contraire, ça leur occupera les mains et l'esprit d'une façon saine. Ça leur permettra aussi de créer des choses de leurs mains, de faire de très bonnes rencontres, que ce soit dans, on va dire, professionnel, mais aussi amical. Moi, j'ai énormément d'amis qui sont issus du milieu du cosplay, et c'est devenu un super pote, quoi. On se retrouve pour ça, c'est super. Et cette passion de créer des choses, bah, ça peut vraiment aider à s'occuper, on va dire. Plutôt que d'aller faire n'importe quoi en mode mec, voilà, le bon gros cliché. Non, c'est vraiment travailler la matière, comme ça votre enfant il découvrira peut-être une passion pour le travail du tissu, ou le travail des armures, ou la 3D, pourquoi pas, hein, se dire bah tiens j'aimerais bien savoir comment être faite cette pièce, et pas se mettre à travailler des sculptures ou des sculptes pour son costume. Donc voilà, ça c'est la partie pour les parents. Si je puis y rajouter, je suis entièrement d'accord, et même faire des rencontres. Parce que vous êtes dans un univers qui est particulier, vous allez rencontrer des gens qui ont le même univers que vous et les mêmes passions que vous, donc c'est vachement intéressant et vous allez peut-être faire des découvertes justement, des nouveaux amis et tout, et c'est vraiment cool quand on rentre dans ce milieu-là, parce qu'on peut parler de plein de trucs avec ces personnes-là qui sont tout aussi passionnées que vous de cet univers. Voilà, on parle souvent de cosplay family, donc on dit la cosplay family, bon, je vais pas vous mentir, on va jouer bisounours, hein, y a des histoires comme partout. Mais il y a aussi des gens qui ont la même passion, qui ont les mêmes astuces, les mêmes galères. Tu sais combien de temps on mettait à faire nos costumes? Donc ça c'est compliqué parce que ça dépend de chaque cosplayer, de l'emploi du temps. Parce que comme je disais tout à l'heure, on peut avoir la chance d'avoir un travail en lien avec le cosplay, mais il y a des gens qui font totalement autre chose. Moi j'ai des amis qui sont professeurs des écoles, je peux te dire ils n'ont pas le temps. Du coup ils vont mettre plusieurs mois à le faire. Moi par exemple j'ai mis un mois pour faire ce costume-là, en travaillant de temps en temps. Et moi je suis rapide. Après, Lily, Anne, en général 5 minutes. 3 clics sur internet, ça va très vite. Hein. Lumière, par exemple. Ah, lumière ça nous a pris. Je pense que c'est pas celui qui nous a pris le plus de temps, mais il m'a pris au moins, je crois, 2 semaines. 2 semaines à faire. Mais c'était peut-être le prince Edouard dans Enchanté, dans Il était une fois de Disney, où là, je crois qu'on a pris un bon mois à le faire, parce que tu sais, c'est les manches ballon, c'est vraiment le prince qui est très excentrique et tout, et qui a des costumes extrêmement volumineux, donc ça nous a pris un mois à fabriquer. Un costume comme celui que je porte aujourd'hui, ça a dû me prendre moins d'une semaine. Mais demain, je porterai un costume qui m'a pris un mois, donc effectivement, ça dépend en fait de la complexité de ton costume, du nombre de détails qu'il y a dessus. Voilà, si tu utilises un patron, si tu fais ton patronage toi-même, tu sais, ça dépend de beaucoup de choses, et de si tu travailles aussi à côté. Une grosse partie aussi qu'on compte pas, et qu'on compte pas souvent, c'est le temps que tu mets à trouver tes tissus,
le bon bois, le bon plastique, la bonne épée, la bonne peinture, tout ça. Et c'est un budget, mine de rien. Parce que je sais que ça vous intéresse. Et le budget. Pour trouver les bons tissus au bon prix, hein, on n'est pas riche, on n'est pas payé pour faire nos costumes. Des fois, ça met plusieurs semaines à trouver le bon tissu, à l'attendre, à le recevoir. Et du coup, ça, c'est du temps qui va venir en plus dans la fabrication du costume, alors que c'était pas prévu. Justement, je voulais rajouter, enfin, je rigolais sur le fait effectivement que ça me prenait 5 minutes, mais en fait, pas tellement. Parce que sur ce costume de Captain America, je ne l'ai pas acheté intégralement comme ça. Il a fallu que je trouve les matériaux qui me correspondent et qui correspondent au film. Et il fallait que j'en sois extrêmement satisfait. Et je suis extrêmement compliqué à ce niveau-là, parce que je cherche le moindre détail, la moindre chose. Ce qui fait que, par exemple, le pantalon et la veste ne viennent pas du même fournisseur. C'est deux fournisseurs totalement différents. Pareil, les gants, les armatures, etc., ça vient d'une autre personne. Et comme le disait très justement Palaisance, c'est un budget, c'est un investissement, donc on ne va pas tout acheter d'un coup. Ça peut s'étaler sur plusieurs mois, voire simplement sur plusieurs semaines. Mais ça dépend aussi du budget qu'on veut mettre sur ce costume-là. Il y a beaucoup de critères, beaucoup de facteurs. Et c'est pour ça justement, je rebondis sur le fait qu'on parlait du Captain America. Rechercher les bonnes parties, trouver les bonnes choses. En fait, il y a beaucoup de gens qui achètent leur costume et qui ensuite le retravaillent. Donc même si, comme tu dis, ça fait trois clics sur Internet, il y a quand même tout un travail de refaire la peinture, refaire les pochettes, refaire ce genre de choses. En vrai, ça n'existe pas, un costume, pouf, tu te mets dedans et c'est parfait. Pour te dire, même un costume que tu as fait toi-même, le soir, tu vas venir retoucher pour pas que ça tombe en braque le coup d'après. Surtout avant une prestation où tu sais que tu vas être jugé sur scène et que voilà. Tu es en concours. En général, dans les coulisses, il y en a qui sont avec un fil et une aiguille en train de recoudre certaines parties parce que ça ne correspond pas. Enfin, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. C'est beaucoup de travail, beaucoup de temps, et c'est justement pour ça qu'on le fait par passion, parce que sinon, je pense qu'on n'y arrivera pas. Et d'ailleurs, justement, un petit conseil, si un jour vous voulez commencer le cosplay, choisissez un personnage qui vous passionne, que vous aimez de tout votre cœur. Moi, c'était Zelda, ce n'est pas cette version-là. C'est la version de Twilight Princess. Parce que mon premier costume, j'ai passé un an dessus, parce que j'y connaissais rien du tout. Et alors, rien du tout, j'arrive. Non, Twilight Princess. Celui-là, non, c'est Breath of the Wild. C'est le dernier. On ne le voit pas souvent, t'inquiète, il est dans un château. Donc, il faut un personnage qui vous passionne, parce que vous allez passer tellement de temps dessus qu'à la fin, vous ne pourrez plus le voir. Vous en aurez marre, vous ne le supporterez plus. À force de travailler son roleplay, ou chercher ses mimiques, ou voir des images de référence, vous en aurez marre, donc il faut que vous aimiez vraiment le personnage que vous allez incarner. Déjà, ça doit vous aider à l'incarner, vous sentirez plus à l'aise, et surtout, vous serez dans une bonne dynamique pour finir le costume, parce qu'il y a beaucoup de projets qui restent inachevés à cause de ça. Normal, la nana, à l'époque, il faisait le malin, il disait « Ah, moi j'aimerais bien faire un costume !» Je lui ai dit « T'inquiète, l'année prochaine, on t'en ramène un. Hein. » Et on t'en ramènera un. Hein. Il le fera. Ah non, non, je vais lui faire, parce que le connaisseur, il le fera pas. Non, mais il le portera. Ah bon ? Chiche, donc l'année prochaine, à Epone, on compte sur toi. Tout de suite. Ok, on se donne rendez-vous à Epone, donc l'année prochaine, enfin cette année, et Norman portera son premier cosplay. Et oui, ah non, mais c'est sûr, maintenant. Non, non, c'est pas son premier, il a fait un live avec un cosplay. Norman, parle-nous de ton expérience cosplay. Oui, alors je vous le dis, alors je suis pas censé le dire, mais comme ça reste entre nous, oui, j'ai fait un live pour Samsung, j'ai été cosplayé par Samsung, ils ont créé un super héros, et j'étais le premier à le porter. Oui, mais en plus, c'est des amis à moi qui ont fait le. Oui, voilà, c'est vrai. Applica Industries. Voilà, c'est voilà, pour ça. Ouais. Bon, ça reste entre nous, je suis pas censé le dire, c'est la famille. On dira rien. Rien de rien, vous avez rien entendu, regardez la lumière, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, qu'on a répondu à quelques-unes de vos questions, et que ça vous en a appris un petit peu plus sur le monde du cosplay. Que ça vous a peut-être donné envie d'essayer. En tout cas, parents, n'hésitez pas à mettre vos enfants dedans, et enfants, n'hésitez pas à mettre vos parents dedans. Parce qu'il y a des très les beaux duos. Oui, les grands-parents, il y a des très beaux. Les grands-parents, c'est son ami. Il y a des très beaux duos en famille, hein, comme ça, justement. Est-ce que tu as vu dans Game of Thrones, vous savez, bon, qui sort là dimanche, la grand-mère, c'est plus Olenna Tyrell. Vous aviez aux États-Unis une Olenna Tyrell qui a fait 90 ans, qui était amenée, accompagnée par ses enfants et ses petits-enfants, et elle était incroyable. Elle avait même écrit sur une feuille de papier, attention spoiler, Tell Cersei it was me. Et elle s'est devenue une star du net. 90 ans, star du net.
Donc voilà, pour conclure, on peut dire que de toute façon, le cosplay n'a pas d'âge, n'a pas de couleur, n'a pas de poids, n'a pas de genre. On s'en fout, le principal c'est de s'éclater et d'apprendre à créer de la main ou de s'éclater sur scène. Le mieux c'est de se... s'amuser. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Dans le respect et la bienveillance mutuelle. Exactement. Et ça se fait ça, il y a bien, ça parle. Sans mauvais. Oh, cette fin de passe déportation de déportation, c'est... Il y en a qui a des corbeaux. Ah non, c'est sérieux, j'avoue. Sérieux, hein. Les amis, venez. Corbeaux battu. Quel autre du set. Alors, le troisième, c'est ça. Alors, tu gagnes un casque. Un casque, quand même. JB, elle a un joli casque, quand même. C'est... Photo. C'est quand même pas n'importe quoi. Voilà. Bravo. Et notre ami, le vice-champion, mon cher, le vice-champion qui s'est bien battu, bien. On voit qu'il est chaud quand même. Ah ouais, là. Voilà. Bravo. Félicitations à toi. Bravo, à toi. Bien joué. Il y a une Nintendo Mini. J'aurais dû faire ce pour moi, il y a vraiment des héros qui sont. Et le champion de Namek. Le Muriotin d'or. Il gagne une mini. Applaudissements. Champion qui a été sans boutique. Ouais, il a pas perdu. En même temps, avec un CSS comme ça, ouais. il est violent. Ouais. Donc, GG à lui. Bravo, champion. Alors, malgré la musique, nous sommes avec Wikipack, un grand joueur professionnel qui est venu au Muro encadrer, on va dire, le tournoi. Fighter. Alors, quelle impression? Eh ben écoute, c'est pas la première fois que je le fais, ça doit faire la quatrième fois que je le fais pour la sauce EDG. Et là aujourd'hui, il y avait beaucoup de participants, on était 56 exactement, c'était limité à 64, heureusement qu'on a fermé les inscriptions avant, parce que d'habitude ça prend un peu de temps, et on est moins de monde, et là aujourd'hui il y avait du level, donc ça a duré un peu plus longtemps que d'habitude, et puis on a une grande finale super géniale. Donc, et puis le champion me demandait quelques conseils, j'en ai donné et puis il est motivé, donc je pense que c'est quelqu'un qu'on verra dans les événements et dans les tournois. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de l'événement aujourd'hui? Alors moi j'aime beaucoup, parce que la salle où on est, moi étant donné que je fais beaucoup de compétitions, c'est une salle de... On peut faire une grande compétition dans une salle comme ça. D'accord. Donc, c'est vraiment bien que... On fasse un salon vidéoludique comme ça les gens s'imprègnent de l'ambiance, ils savent comment ça se passe en tournoi, dans quel genre de salle on est, là il y a les gradins, là il y a la scène, enfin il y a des joueurs pros qui sont venus aujourd'hui, des personnalités, etc. Donc pour familiariser les gens avec l'e-sport, moi je trouve que c'est vraiment bien quoi. Je suis vraiment content d'être là. Ok, merci beaucoup. Vous en prie. Tiens, regarde, là c'est mieux. La musique. Là c'est mieux, on nous voit. Alors, non. Il y a de la musique. Non, mais aussi, non. Comment tu trouves? Ouais, c'est sympa. Bon, c'est du connu par rapport au Echo de Numérique Show. Ouais. Mais après, ça reste une bonne ambiance. D'accord. Pour l'instant, ouais, c'est cool. Okay. On verra après, au fur et à mesure. Peut-être que j'interviendrai sur une scène, sait-on jamais. On verra. Bon, on va essayer. Ah, ça y est, je suis dans la lumière, mes enfants, je suis horrible. Voilà, ça y est, c'est dit. Le cosplay, c'est du travail, l'investissement. On joue la prochaine chanson. Je sais pas qu'est-ce qu'on va prendre, mais je joue la prochaine. Mesdames et messieurs, Cendrillon. Salut, moi c'est Cendrillon. Je rêvais d'aller au bal et ma marraine la fée m'a exaucé. Mais une fois arrivée, qui vois-je au loin? Ma méchante belle-mère et ses magnifiques filles. Celles qui m'avaient empêché d'aller au bal. Alors. Laisse-moi kiffer la fête avec mon mec. Je suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. Laisse-moi kiffer, j'ai mes soucis, donc s'il te plaît.
Non, revenez. Je ne connais pas votre nom. Comment pourrais-je vous retrouver? Je vous en prie, attendez. Mais pourquoi le producteur fait des grands gestes là, énervé? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? J'ai coupé la musique, mais pas le micro. Oh! Mesdames et messieurs, pour présenter nos deux challengers et encadrer le combat à venir, nous avons débauché un arbitre des Nicom, le club de football américain des Mureaux. Je vous présente Julien. Bonjour. Alors, à ma droite, je vous présente l'homme dont la série va bientôt s'arrêter, au plus grand bonheur de tout le monde, Green Arrow. Et à ma droite, à gauche, pardon, l'homme qui s'est fait couper au montage d'Avengers 3, Hawkeye. Non, ben, vu ce que tu viens de dire et vu que le Batman du coup représente le cirque et que l'artiste de cirque aussi,
On va changer les règles, ça va pas être un combat entre lui et moi, ça va être un combat sur cible mobile. Donc t'as intérêt à courir, vite. Très vite. Non mais Aro, c'est une blague. Non mais reviens. Oulala. Je vous laisse le micro, je crois qu'il est parti en mode injustice, alors faut que j'aille le calmer. Ouais. Par contre tu restes pour Avengers le dernier s'il te plaît. Je crois qu'il s'est fait avoir. On les applaudit bien fort, c'était le groupe Player à nous rejoindre sur scène pour une photo finale. Applaudissez-les bien fort, ils vous ont offert un joli spectacle plein de princesses de folie et de super-héros. On se met là en pause, vous aurez le temps de prendre une petite photo. Regardez-la. Regardez-les, ils sont magnifiques. Regardez. Voilà, pour vous aujourd'hui, les Mureaux, les Cosplayers. Bien l'arbitre. Après avoir pris une flèche là où je ne dirais pas. Lyotte, ça passe quoi? Nassim, numéro 10. Est-ce que je voulais me souviens du deuxième? Ah bah oui. Vas-y. Alors. Alors, la deuxième, elle est froide, elle est cruelle, il s'agit de Bellatrix Lestrange de Harry Potter. Elle vous a fait vibrer sur scène. Méfiez-vous, elle balance des sorts. Advada Kedavra. Elle nous rejoint aussi sur scène. On pourra prendre une grande photo avec tout le monde. Donc Bellatrix remporte 200 euros. Viens. Marianne. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Marianne. Bravo. Et attention, roulement de tambour. Liliane, je vous laisse annoncer le premier prix. Mesdames et messieurs, et vous les enfants, le premier prix du tour cosplay est attribué à... On fait du bruit. La princesse. Plus fort, s'il vous plaît, les Mureaux! Alors j'espère qu'elle va pas s'endormir sur scène. On va essayer de faire encore plus fort dès qu'elle arrive sur scène. Vous êtes prêts? Ouais. 3, 2, 1! Viens là! Tu remportes donc un cash prize de 300 euros. Viens avec nous, donc, n'est pas comment mal. Comment ça, c'est gênant? Mais ce n'est pas gênant! Venez aller devant! On peut les applaudir encore plus fort, s'il vous plaît! Félicitations à nos vainqueurs. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une plus grosse pression de la part de ces groupes qui arrivent à rentrer et s'approcher sur place, mais arrivent pas. Énorme possession de base, et pour l'instant, Yanis qui résiste bien. Yanis de Paris est en blanc contre Sigmou, des Mureaux est en noir, double Juventus. Est-ce qu'il va reset ou est-ce que ça va être la fin? Il y a beaucoup d'élan qui est pris. Ah ouais, on voit même plus. Attention. C'est comme la roulette, tu mets tout sur la roulette. Voilà, là il y a un tour qui est donné. S'il l'avait, il y en a un sens psychologique qui est pris. Cristiano Ronaldo qui s'élance. Contre-pied parfait. Voilà, Cristiano, ça serait fou. Hein. Le deuxième tireur, ça va super vite. Oh non, attention, là, ça a deux buts d'écart, ça va être compliqué. Faut qu'il arrête maintenant. S'il arrête, ça peut être bien. Attention, Pjanic. Il y a Pjanic qui s'élance, excellent tireur, Pjanic. Faut pas qu'il Pjanic. Et voilà la psychologie de tir au milieu, alors qu'il avait tir au milieu juste avant. Attends, s'il rate là, ça va être compliqué. Oh, attention. Attention. S'il va, pour les champions. Donc là, ce soir, pour la victoire. Costa, est-ce que c'est maintenant qu'on va trouver? Attention. Il prend son temps, il va s'élancer pour la victoire. Tellement cruel, Yannick, je te laisse ta coupe de vice-champion. On applaudit bien fort, vice-champion du Tour de France. On applaudit Yannick, ça fait plaisir par contre. Bravo. Si. Donc laisse le soin à Bernard Durut, premier adjoint de la ville des Mureaux, de remettre le trophée aux champions des Mureaux, ainsi que... Bravo, on peut l'applaudir. Ainsi que ton diplôme de champion régional de France qu'on passe pour Paris. Donc j'espère encore une fois
qui saura porter haut les couleurs du Muro de la région Île-de-France. Je vais laisser la parole à Bernard si tu veux nous dire un petit mot. Comment t'as vécu cette première compétition envers nature en Muro? Alors j'avoue que j'ai pas trop l'habitude de regarder ce genre de match. Je trouve que ça manque de ralenti, forcément. Voilà, c'est tout content. Mais très sincèrement, c'est agréable à regarder, franchement. Et félicitations donc à vous deux, notamment à toi, Marine, parce que c'est quand même bien que les bureaux remportent les souffles. Hein. Et puis, bonne chance à vous pour les résultats. Merci Bernard, merci. On doit applaudir la ville de Muro d'avoir accueilli cet événement, cette finale régionale.